Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue à un autre épisode GoopTech. Aujourd'hui, j'ai la Queen of Crow, qui est en fait une réplique de la Analog Man King of Tone. Et franchement, elle est pas décevante du tout, du tout, du tout. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire un petit démo de ce que c'est. Je vous invite déjà à aller visiter la page internet de GoopTech. Tous les liens vont être en description, évidemment. C'est des superbes pédales de qualité avec plein d'accessoires disponibles aussi sur leur site. Tout du stock de pédales. C'est vraiment une superbe compagnie. Aujourd'hui, je vais faire des petits démos de bon cœur. J'ai juste du bien à dire à date, fait que je me lance. Je vais avoir ma fidèle 335 aussi tout après pour voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc, c'est quoi la Queen of Crow? C'est une double overdrive. Là, en ce moment, comment je l'ai placée, c'est ici, j'ai une toute petite overdrive que je me suis servi dans l'intro. Ici, j'en ai une plus grosse que j'ai setée. Je vais essayer de pas trop perdre de temps avec. On va tout de suite commencer. Comment moi, je m'en sers, puis après ça, je vais vous montrer peut-être d'autres trucs qu'il y a, parce que, si vous voyez bien ici, là, on a des... On a des dip switch. D'être là, avec deux trim pots, d'être là et là, pour un maximum de contrôle. Puis ça, on aime ça, des options. Quoique, un coup, c'est seté, tu refermes ça, puis tu vis ta vie, là. Alors donc, ça, c'était mon clean. Light overdrive, toute petite légère. Les contrôles, volume, c'est énorme. Il faut quand même en mettre beaucoup pour réveiller la pédale, sinon... Mais il y a beaucoup de compatibilité entre le volume et... comment il y avait ça, les autres? La drive. Ils jouent ensemble beaucoup. Ici, c'est le tone en bas. Assez de jeu quand même. Peut-être j'en prendrais plus, mais pas tant, tu sais. Même pour chialer un peu. Donc ça, c'est un side. Moi, je m'en sers comme premier stade d'overdrive. Quasiment clean, tu sais. Quand je me mets sur le bridge, vous l'avez entendu. Très agressant, c'est pas un gros overdrive. Mais ça paraît. Définitivement. Alright, ok. Deuxième side que j'ai mis plus comme high gain. Très 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 efficace. Fait que là, si vous voyez, dans le fond, j'ai juste mis la drive dans le max. C'est le même circuit, si je ne me trompe pas, d'un bar et l'autre. Fait qu'on a vraiment le choix. Puis la magie de tout ça, c'est que si ça, c'est pas assez pour vous, vous pouvez ajouter le deuxième side. Un va dans l'autre. Thank you.
tu es chum, pis ça sonne bien, pis y a plein de contrôle avec le volume. Aussi, juste question d'avoir un petit peu de dynamique avec tout ça. Avec Dan Bucker, ça le fait tellement bien aussi, là, je trouve. Là, juste le soft side, le petit léger. C'est juste un side, c'est le side mou là. Pas mou, doux. Gros side. Puis si on max tout. C'est tellement cool, tellement cool. Ok, donc revenons à ce petit côté geek de la pédale. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Ok, on va se calmer. Là, on va virer ça de bord. Ok, je vais garder juste le premier side en exemple qui va tout le temps rester allumé. On va virer ça de bord. Donc, il y a un schéma. Je suis pas bien bon avec c'est quoi du soft clipping puis du hard clipping, mais. Pour ceux qui le savent, tant mieux. Moi, je suis allé au feel. Je suis vraiment pas bon dans les termes de ces affaires-là. Là. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a du Schweppe, ça, à l'oreille, tu t'en rends compte, c'est quoi les Schweppe, tout. OK, l'autre truc, c'est les trim pots. Les trim pots, c'est quoi? C'est un trim pot de présence. Quand on le tourne... Cette petite bidule-là, ici... On va y aller à l'extrême quand même. Là. Ça devient très très harsh à mon goût, du moins. Si on le met complètement à l'opposé. Personnellement, je l'aime un petit peu moins dark. Donc, beaucoup de possibilités avec cette petite pédale overdrive qui est tellement... C'est... Un, je peux pas comparer à la King of Tone parce que j'ai jamais joué dedans. Je suis allé écouter sur internet, évidemment. Je sais pas si c'est exactement pareil. Chose certaine, t'attends pas 3 ans pour l'avoir. Parce que la King of Tone, il y a une liste de genre 3 ans pour l'avoir. Si tu veux pas payer genre 1000$ pour. Donc, la Queen of Crow, petite pédale de feu que je pouvais pas ne pas avoir maintenant que j'ai joué dedans. Super versatile. Elle a un EQ flat qui passe bien partout, je trouve. C'est pas trop intense en termes de mid ou de... Si c'est trop harsh, vous pouvez tout gosser en dedans pour que ça soit moins. C'est une superbe double overdrive qui maintenant fait partie de mon petit board et j'en suis très fier. Allez voir leur site internet, il y a une panoplie de stock, le fun. C'est fait au Québec, soyez fiers. C'est tout, je pense que j'ai rien à dire de plus. C'est un overdrive, ça reste un overdrive. Amusez-vous avec
Allez, checkez un coup d'œil, puis amusez-vous avec. Ça vaut la peine. Ok, bye bye.